On a vu avec Talinej qui est très souvent là, pas forcément top 8 mais au moins top 16. Bah là contre Juni, il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas. Il y a pas, il a fait la course derrière un peu tout du long. Après, le choix de Dr Mario l'a vraiment limité, j'ai l'impression. Alors, ouais. Mais ça, peut-être c'est... le match-up de Falcon est dégueulasse pour Falcon. Ça, mais... moi j'ai l'impression qu'on a, on a quelques joueurs beaucoup plus en mid-level dans ce top 16 très contesté qui ont plusieurs persos. Et qui progressivement avancent leur petit parcours dans le Smash Bros Toulousain, Smash Bros Ultimate Toulousain, avec plusieurs persos et qui avancent. Donc là, Talinej aujourd'hui s'est dit que ça allait être Doc pour ce set là et ça le sera probablement pas la prochaine fois. Je crois qu'on est parti donc. On est sur les mains de base hein, du côté des deux joueurs, donc Ekon contre Fox sur PS2, le terrain neutre soi-disant. PS2 qui fait les affaires des deux joueurs. Hein. On retrouve une phase d'avantage un petit peu classique dans le match-up pour le coup, parce que là pour le coup un petit peu tous les combos de Fox vont passer sur DK évidemment. On a une très très bonne read d'air dodge ici pour Oxy, c'est dommage, on a manqué le timing du up smash de très très peu. Ah, début des prédictions, n'hésitez pas à parier vos stocks. Tu parierais tes stocks sur qui toi hein? Tu vois pas, oui, moi je resafe et je dirais qui non. En vrai pareil mais je m'attends à être surpris quand même ce soir. Parce que Oxys ouais. Il est énervé hein. Là, il est quand même énervé. Kid, faites attention, on va le voir dans... Ouf. Oh ce mix quand vous, on l'a dans le match-up. Les pourcents que vous voyez en bas, ils veulent pas vraiment dire ce qu'ils veulent dire. C'est d'habitude ça, hein. Parce que là Fox va et vers 80 ou 100 mais au final il meurt d'un peu tout et n'importe quoi. Alors que DK, il meurt d'un peu tout et n'importe quoi à 140, 160 en fait. Ouais, c'est ça. Donc faut vraiment faire attention. Là. Moi, quand je suis sur un terrain neutre, c'est que je me permets de me faire des ding-dongs à 70. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis neutre soi-disant. Hein. Bon, en réalité, non. Ah bah oui, bah là. Dans l'armure. Et là, et la passe d'avantage. Oh DK. Il a mis combien? J'ai pas vu les pourcents au début. J'ai au moins 60. Il va? Oh là là, alors attention, il va avoir une tech à faire. T'en es? Bah oui, voilà. Oh, down D. Là, évidemment, la tech, elle n'est pas réalisée. Oxys t'emmène dans le monde des morts, tout simplement. Et attention à cet Edgeguard qui pourrait faire extrêmement mal. Kid qui se fait maintenir hors du terrain. Et qui va mourir quand même, finalement. Son hubris l'aura emporté. Mais c'était beau, c'était plutôt beau quand même. Qui finit se change avec une stock d'avance. Mais c'est dur d'Edgeguard Fox, hein, genre. Ouais. Son MP il est super linéaire, mais qu'est-ce que c'est gros lightbox. Alors, oh, Oxys qui brise très très bien la chaîne de upper avec un beau backer. Il y avait encore Kid. Oh Dragdown. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va tenter de faire? Parce que ça tue jamais ça pour le coup. Et il l'a fait contre Ring tout à l'heure, je crois. Contre Julie. Contre Julie, ouais, ça, il essaie de drag down les gens très bas. Ouais. Pour les empêcher de reco. Ouais, mais là, le problème, c'est que Kid prend trop de petites phases d'avantage, tout simplement. Et même si DK reste lourd, bah là, voilà, petit upper évidemment. En read. En fait, ouais, contrairement à tout à l'heure, le match où on a vu Oxys contre le Pac-Man de Poring. Et bien là, les interactions, une fois que Kid avec Fox a touché ton shield, là, c'est beaucoup plus dur de tenter une option. Ouais. Là, vraiment, tu prends, là, il a pris le upper, un premier upper, et vu qu'en fait, il a pas réagi instantanément après que Kid et Whiff sont graves, là, la sortie de shield, elle était toujours pas évidente. Le upper qui est trouvé par Kid assez facilement avec la grande taille de DK. Oh, un changement de couleur d'un petit DK vert. Je pars sur le Donkey Kong CTLM ici. Qu'est-ce qu'il est moche in-game. Il est dégueulasse. Avec les ombres de PS2, là, oui, ça le met pas en valeur. Hein. Oh, quitte à la régie de PS2 de baisser cette lumière, il n'y a pas besoin de ton projecteur. Ah, le shield qui est un peu une prison, et du coup, on est obligé de tenter ce up B pour se sortir de l'edge, peut-être. C'est ça, on tente un petit peu désespérément de récupérer le centre du stage pour Oxys, mais évidemment c'est vu et réagi par Kid qui va aller chercher ce drag down. Down smash. Oh là là. Ça, c'est un peu pareil que ce que faisait Juni tout à l'heure, je trouve, un des petits
on va pas spot dodge pour pour le faisait aussi, on va pas spot dodge pour éviter un grab, on va faire un petit aller-retour parce que ouais. ça va permettre d'éviter plus de choses en fait selon la situation, selon le choix qui est fait par l'adversaire. C'est un donneur qui va être retrouvé par Oxys qui prend le lead dans cette game. Malgré la tech, il y a toujours le Firefox qui est facile à tuer au downer après. Enfin, on a avec la grosse paluche. Cette attaque qui a tenu le ledge pour acquis, tout simplement. Ok, qu'est-ce qui se passe? Firefox dans le centre du terrain. Qui a été désorienté après ce downer. Il est bugué. Il marche plus. Oh, le backer encore. Et ledge guard peut-être. Et le backer exactement. Pas encore. Et Kit, Oxys qui a pas dit son dernier mot. Il retourne downer encore. Oh, la tech qui est réalisée, elle était tellement compliquée à récupérer cette tech pour le coup. Pour Oxys. Mais il va la faire, ce n'est pas un 3 stock. Tellement chaud à commenter, le genre! Up smash qui est pas trouvé. Attention, le reset sur la plateforme qui sera même pas obtenu directement. EPR qui est trouvé. Alors, le Mega Punch évidemment, le Don Tilt qui va être utilisé. Tu ne reco pas à cette distance du ledge, évidemment. Et moi, tu l'avais vu toi? Moi je l'avais pas vu. Ah, j'étais littéralement en train de commencer la phrase, le Don Tilt va arriver là. Ouais, ouais, moi je. Non, clairement dans cette. En fait, il a B. En plus, ben après, c'est. Enfin, je sais pas. Après, il a des centaines et des centaines d'heures de Fox, mais. Ouais. Il me semble qu'il a Fast Fall et Firefox un poil trop tôt. Ouais, c'est ça. Ah, non, il a pas Fast Fall, c'est ça. Je pense qu'il pensait qu'il avait Fast Fall. Mais ouais. Parce qu'en fait, si tu recours un peu bas, le Dontil, il va avoir un peu de mal à te toucher, mais là, tu viens bien à l'horizontale. Il y a même pas de two frame. Le Dontil, il va te toucher alors que t'es encore dans ton B. Ouais, il l'a fait juste après le fer. Ouais, je mets le doigt sur peut-être une fast fall qui est pas rentrée. Ouais. Donc vraiment, c'est un peu étrange. Ne faites jamais de recours parfaitement horizontal contre DK. Hein. Ça ne marche pas. Et Oxys, voilà, tu lui montres et il saisit direct. Hein. C'est sans aucun doute. Un partout donc. Oxys qui a l'air de vouloir me faire mentir avec cette stock qui part en 14 secondes. Le backer qui tue extrêmement tôt. Et là, ça représente extrêmement bien ce qu'on avait vu au début du set. Les pourcents ne veulent pas du tout dire la même chose des deux côtés parce que là, à 90%. Kit qui a choisi d'aller sur SBF au lieu de PS2 pour pas mourir par-dessus. Mais du coup, tu prends ton backer et tu pars sur le côté. C'est tu prends ton backer et tu te casses. Peu importe le côté, je vais trouver le kill, il n'y a aucun problème. Ah ouais, et là des cas qui vraiment, vraiment pas au pourcent de mourir. Alors qu'à ces pourcentages là, bah Kid pourrait commencer à transpirer tout simplement. Je vais pas un petit peu une prison quand tu joues contre Kid. Évidemment, on va trouver le forward tilt, il n'y aura pas de reset ici. Oh, ça cherche le kill directement à 121. J'ai l'impression que c'était un petit peu gourmand là de la part de Kid de se commit sur ce smash. Effectivement. Ouais, non, par le haut là, je pense que ce serait un petit peu de mal à tuer quand même. On va quand même réussir à le trouver celui-là en entière. Ouais. Alors, vu comment il a barely killed, je pense qu'effectivement le précédent à 121% ne tuait pas. Ouais. Mais c'est bien vu. Pour le coup, là, on parle vraiment de up smash max range. Oh là là, qu'est-ce que tu veux faire avec ce B, Oxys? Oh là là, qui se fait peur parce que au final, échanger sa quand il rate son dragon, il échange sa place, il est en dessous et il se rend très très vulnérable. Par contre, le match de Kid, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Ouais. J'ai vraiment envie de mettre une handcam sur les joueurs en fait. C'est bien joué, c'est très très bien joué pour le coup, les sauts évidemment pour contrer le grab, ça reste une des meilleures options contre contre le grab, tu as la spot dodge mais aussi le saut qui marche extrêmement bien et forcément bah, avec Fox ça va extrêmement bien marcher parce qu'il y a un air qui peut être mis derrière pour punir le grab mais aussi punir rien du tout, sinon on va faire la shield juste tu reset. On va trouver ce pair. Malgré le saut aussi, s'il essaie de s'en sortir avec un saut, ça peut marcher. Mais vraiment, aussi je veux souligner depuis le début du set, genre il y a des Oxys qui arrivent à DI away pas mal de choses. C'était artisanal là, ce confirme. Oui, hein. Down air, je saute au-dessus de la plateforme, back air à l'autre bout du monde. Ouais, Oxys, pas sur PS2, pas de ding dong très tôt pour tuer vers le haut, mais vraiment genre. Aucun souci, hein. Ça trouve les backers à la place. Oh, c'est le fameux neutral B de Oxys. Il le savait, pour contrer un ledge trap. Et attention, le match de Oxys qui fait la différence ici. Le forward smash qui ne va pas passer. Attention, parce qu'on a vraiment, pas envie de se faire chier le grab à cet endroit du stage. Oxys, il y a un incroyable mix-up là qui l'a envoyé dans le stage. Effectivement, là pour le coup. Il a mix-up pour sa vie. Pas encore l'up smash, mais le prochain. Oh, l'up smash qui est évité à quelques pixels, à quelques frames. Il va encore falloir sortir de ce ledge trap légendaire. Allez bien vu cette roll.
La Paris était vraiment assassine ici. Oh, il va donner la troisième game à Oxys. Qui peut-être mettait trop de pression sur le ledge, c'est vraiment sa spécialité. Je crois que Oxys, il mourit là. Mais parce qu'il a pas jump. On le replay là, merci. Ouais. Je crois qu'il a jump DK punch, il lag et il meurt en fait. Ah, c'est vrai que avec le lag. Oh oui, il a jump DK punch, il est turbo mort. Non, attends, regarde sur le B. En vrai, ah ouais, ça revient. Il y a un monde où il a du bout de la main. En tout cas, il s'y attendait pas non plus. Hein. Il voulait pas sortir depuis tout à l'heure là, dans toute la game 3, il est pas sorti, Kid. Il est pas allé off stage chercher Oxys. Et du coup, ça lui a donné cet espace là pour trouver cette read aussi. Bravo. Ouais, c'est ça. Et surtout voilà, Oxys qui a mis sa pression habituelle en fait très près de son adversaire, mais contre le. Je sais pas, le gigantesque coup d'épée avec de l'armure qui est ce DK punch. Non mais en fait j'étais littéralement en train de me dire que j'aurais sûrement fait pareil avec mon autre Alvé avec Lucina, tu vois, sauf que ça marche encore mieux là. Attends mais Oxys qui a ouvert cette game 4 en mettant 44% et j'ai cligné des yeux, tu vois, je t'ai regardé et là il y a Oxys à 113. C'est fouf, ça va très vite. Là on est vraiment sur des phases d'avantage colossales de la part de ces deux joueurs. Pas juste dans ce set hein, pour le coup on est probablement sur deux des meilleurs avantages de Toulouse. Après, Fox proche de mourir là. Fox qui a vraiment prié sur sa vie ici. On va trouver le backer, pas de follow-up cependant. Et ça se fera punir ce nerf qui était un petit peu comitant. Oh là là, RPS2, le match avec le nerf. Il sait tout, il connaît. Oui. Vraiment, il se fait surprendre par aucune interaction bizarre. Oxys en fait, s'est fait un petit peu surprendre par le match en début de set. Il s'est juste tout simplement rappelé des setups de punition post-grab release. Et ça marche extrêmement bien, on va aller chercher le trackdown. Il marche cette fois-ci, incroyable. Et ça faisait deux fois que ça marchait pas, même peut-être trois en comptant les 7 précédents. Et là, cette fois-ci, ça l'a tué à très bas pourcent. Là. Je crois qu'il meurt à 50 Oxys. Ah oui, là pour le coup, là il est droit d'avoir le stun Oxys. À peine arrivé sur le terrain, 70, ça continue, 90, 100. Là la game elle est peut-être oh, pas pour le joueur TLS chargé. Oh, dash attack backer. Qu'est-ce que c'était que cette game? Le réveil de Kid a été violent. Fox wins. La game elle a duré 2 minutes je crois. Genre, la game, attends, il a enchaîné ça. Il va appuyer sur A, on va le voir. Ah bah non, il aurait fallu. Oxys fait B. Trop tard. En tout cas, même si elle a pas duré 2 minutes, la game elle est allée très vite. On peut voir, même moins de 2 minutes. À peine 1 minute 30. Dash ouais, voilà. Back, dash attack, jump backer. Pour ceux qui veulent savoir, hein, c'était pas Trousse backer, mais tu veux air dodge là ouais, bah non, air dodge pas. Mais c'était un 50-50 en fait, parce que si air dodge et que moi j'ai pas backer, bah je te regarde dans les yeux en mode. Ouais. Est-ce fini quand air dodge? C'est ouf. Et c'est une game 5 donc en winner final ici avec le choix de Oxys qui s'est porté sur Holo Bastion évidemment. On veut aller chercher des morts tôt vers le haut. Alors c'est pas forcément la meilleure chose à faire contre Fox mais on est DK quand même. Ouais. On est DK, on a envie d'aller chercher des ding dong qui tuent tôt, peut-être les fameux down B up smash qui vont tuer à des pourcents honteusement bas. Attends, c'est très bon, on va trouver le grab ici. Max range. Le coup qui revient sur le stage qui permet de garder l'avantage hein. La continuation de cette phase d'avantage est incroyable. Oh, c'est dommage, on a très bien mix-up le match en sortie de Burry ici. Air dodge qui est trouvé, bravo Kid. Oh, et qui arrive finalement à se sortir de la phase de davantage, qui récupère le centre du stage ici et qui va même encore chercher la même chose que cette fois on est plus sur Small Battlefield. Donc ça ne va pas tuer. Ah, c'est dommage, hein, cette dash attack de la part de Kid qui est peut-être un petit peu comme Itol extrêmement laggy. Oh là là, du bout du pied. Il était vraiment en train de tomber. Une frame plus tard, il était trop bas tout simplement pour aller chercher ce backer et c'est Oxys qui prend l'avantage dans cette game 5. Pour une place en grande finale. Shine. Oh, ouais, voilà la punition. Oxys très respectueux qui dash back dans le corner et Kid vraiment qui ne lâche rien et qui court et finit avec ce smash. À chaque fois que t'es off stage proche comme ça me fait peur. Ah oui, non, mais vraiment. Ah, le petit jab qui fait beaucoup de pourcents pour Fox. 80. Et à chaque fois, c'est up air au ras du sol qui vraiment le met dans. Oh, il a lâché le match, on en parlait tout à l'heure. Mais oui. Mais une macro sur sa manette, c'est pas possible. Ah.
Ouais. Et cette fois-ci, et là en plus, Oxys qui a jump pour éviter le back air. Mais ouais, bah ouais, Kid qui overshoot quand même et qui trouve le père. Oh le dragon, non c'est bon, on va se prendre le dernier hit du forward air ici, il n'y aura pas de mort. Early pourcent ici. Attention à se faire après la guille quand même. Voilà, et ça c'est terminé, c'est terminé, tu t'es pris un back air ici, tu n'as plus ton saut contre le DK de Oxys, tu es terminé, ouais, fini, tout simplement, on va réussir à reset la phase de upper, c'est le quatrième et c'est 93% qui sont subis par ce DK, parce que là je vous rappelle qu'on est sur Holo Bastion, les kills au up smash, ils vont partir assez vite, même sur Donkey Kong. Il y a le upper, ça ne suffira pas, c'est Donkey Kong. Le fameux side B de la stock de Kid. Wouh, le classique dash attack, on voit l'adaptation d'Oxys, hein. Dash attack back air, il l'a pris deux fois, mais pas trois. On a tenté de douiller hein, tout simplement, la spot dodge un petit peu hasardeuse ici qui va quand même permettre à Oxys de ne pas se faire punir. Mais on est toujours coincé dans ce ledge, dans la prison qui est infligée par Oxys, par Kid. Sur l'autre alerte, cette fois le side B de Fox qui est suffisamment rapide pour passer le downtilt de ce DK, mais 87%, on va pouvoir commencer à mourir. On est totalement à kill pourcent du côté des deux joueurs, c'est une situation de last hit ici en game 5 dans cette winner finale. Kid qui prend toutes les wins de neutral qu'il peut, mais pour l'instant et c'est le baquet. Pas trouvé le kill, c'est bon, le kill est trouvé. Et Kid soulagé, hein. Il Oxys l'a fait suer, hein. C'était pas facile. Hein. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on a la meilleure version de Oxys ici, hein, pour le coup. Ouais, clairement. Les belles adaptations en désavantage, là. Les phases de Kid qui marchaient pas à chaque fois. Même, on l'a vu, genre, c'était game 3 ou game 4. Il le cargo et il attend, punit le match.